Bonjour, je m'appelle Yves Gendron, je suis professeur titulaire à l'École de comptabilité. Cet article porte sur une thématique importante, celle des lanceurs d'alerte. Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? C'est une personne qui, étant consciente d'un danger ou d'un scandale au sein de son organisation, tire sur une sonnette d'alarme en espérant enclencher une réaction importante, une mobilisation collective. Ce qu'on cherche à faire dans l'article, c'est à mieux comprendre comment sept lanceurs d'alerte mondialement connus ont cherché à établir la légitimité de leur rôle au sein du monde des affaires et de la société. Notre analyse porte sur les discours relatés par sept lanceurs d'alerte dans près de 70 sources. On compte dans ça des livres, des entretiens réalisés, anciens, des sites web, des vidéos. On s'intéresse particulièrement aux propos des lanceurs d'alerte se rapportant à l'élément déclencheur qui les a conduits à lancer l'alerte, la façon dont ils décrivent leur trait de personnalité en tant que lanceurs d'alerte, les contraintes qui ont pu freiner leur démarche, et croyez-moi, il y en a, et enfin, l'incidence positive que leur lancement d'alerte a pu avoir à plus long terme. Dans leur discours, les lanceurs d'alerte font valoir la moralité de leurs propres actions et ils vont opposer leur moralité à celle de l'auteur de la fraude de l'entreprise, tout en fournissant des informations détaillées sur la nature de la fraude dont ils sont témoins. Les lanceurs d'alerte vont souligner également les contraintes qui doivent être levées pour que les responsables de la fraude soient tenus pour responsables le plus rapidement possible. Dans leur récit, les lanceurs d'alerte appellent à de meilleures conditions de réceptivité par rapport à leur dénonciation. Ce qu'ils souhaitent, c'est qu'il y ait des changements qui soient apportés dans les structures réglementaires qui nous entourent. Trop souvent, les lanceurs d'alerte vivent de mauvaises expériences une fois l'alerte déclenchée. Or, ces difficultés sont en nette contradiction par rapport à l'utilité socio-économique de leurs gestes. Au final, notre article vise à sensibiliser les lecteurs, premièrement, à l'importance des gestes posés par les lanceurs d'alerte et, deuxièmement, à l'importance de mettre en œuvre des mécanismes visant à les protéger de représailles une fois l'alerte lancée.